go, petit massage au bord de la mer. Faut en profiter. Ça va faire trop du bien. À acheter quand même, je vais acheter des petits produits, etc. Je vais acheter aussi, je pense, une masque au riz là que tout le monde en parle sur TikTok et tout pour les cheveux. Donc voilà, et on va manger au marché aussi. C'est trop trop bon. Le marché c'est bien, c'est une chaleur, c'est incroyable. Je suis en train de mourir. Alors au marché j'ai fait le plein de masques, bon, j'ai pris plus les Disney là dans l'autre magasin. Genre vous en avez 5 pour 1,50€ je crois, 2€, 5 pour 2€. J'ai pris aloe vera, vitamine, le gold, à la pêche, encore le gold, le face mask. Attendez, il en manque un. J'en ai fait 3. Ah j'ai pris ça aussi. Pour les yeux, j'ai repris des savons comme ça. Regardez les savons, j'aime trop. À la pastèque, le petit éléphant, la rose, du thé. Là, pareil, c'est des savons. Ceux-là, ils sont plus beaux encore. Mangue, regardez les savons, ils sentent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Et j'ai pris alors ça c'est celui qui tourne partout, le masque au riz. Apparemment dinguerie, et d'autres disent qu'il y aurait des mauvais produits dedans. Donc pour ceux qui connaissent, dites-moi ce que vous en pensez. Et d'après la taille, ça c'est le meilleur masque pour les cheveux, le coconut oil. C'est un traitement qu'on met en masque. On doit laisser agir. Ouais, c'est marqué là. On doit laisser agir 5 minutes. Donc voilà. C'est que des conneries, quoi. Le but d'augmenter le levier du pilote, c'est de faire en sorte qu'il puisse attaquer plus de cibles. Parce que contrôler l'espace aérien, on voit des chasseurs intercepteurs. Aujourd'hui, des chasseurs multi-rôles qui peuvent aussi bien bombarder qu'intercepter. Et pour avoir le contrôle de l'espace aérien, il faut qu'un chasseur puisse engager plein d'autres chasseurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'avionique. Et l'avionique, bon, elle n'est pas automatique. Même encore aujourd'hui, il y a des aspects qui sont automatiques, mais il faut que le pilote décide quand même s'il envoie la sauce ou pas. Et donc, le pilote doit avoir une bonne compréhension de choses qui se passent à des centaines de kilomètres. Un bon cordon bleu, ça faisait longtemps. On a craqué avec Elise. Ici, ils sont super bons, c'est à Kamala. Le resto, il est trop mignon en plus.